Même si d'autres personnes ont fait cette vidéo, je m'en moque. Si j'ai envie de la faire, je la fais. Mais en tout cas, j'ai tellement envie de vous faire part de ma réjouissance après cette grande, grande nouvelle. Oui, mon rêve s'est réalisé. Ah! Donc non, je n'ai pas mis de titre putaclic et vous ne rêvez pas, Harry Potter à l'école des sorciers revient au cinéma le 12 septembre 2018 en version remasterisée, version 4K, donc la qualité d'image a été modifiée, la qualité de son également. Plus qu'à prier que les voix françaises n'aient pas bougé parce que franchement je crois que je me suicide et je vais faire un scandale, voilà. Mais il n'y a pas de raison pour que les voix aient changé. Harry Potter à l'école des sorcières revient donc au cinéma pour les 20 ans des livres de J.K. Rowling. Donc pas pour les 20 ans du film parce que sinon on aurait dû attendre 2020-2021 pour cette occasion. Donc je suis vraiment très contente et j'en étais sûre que Harry Potter 1 de ces 4 allait ressortir au cinéma. C'était mon plus grand souhait et ça a été réalisé, donc je suis vraiment contente. Je pense que ce jour-là, je vais faire un vlog le jour J de la ressortie d'Harry Potter parce que voilà, quand Harry Potter est sorti au cinéma la première fois, j'avais 2 ans. Et donc j'étais trop petite et donc vous connaissez mon histoire de comment je suis devenue Potterhead si vous êtes abonné depuis un bail sur ma chaîne. Sinon la vidéo sera juste ici. Et du coup, bah, ça me fait une énorme joie de pouvoir voir le tout premier Harry Potter parce que j'ai vu que le 5, 6 et les 2, 7. Bah, c'est une immense joie que j'ai de pouvoir revivre ce qu'on a vécu, enfin ce que les Potterheads ont vécu il y a 20 ans et tout le tralala le jour de la sortie du film. Pour nous, en tant que Potterheads depuis de longues dates, depuis une bonne dizaine, vingtaine d'années, ça fait quelque chose, c'est énorme. Mais pour les nouvelles générations, c'est encore même plus énorme que nous, je pense. Parce que, voilà, les nouvelles générations Potterheads n'ont vu aucun Harry Potter au cinéma. Donc franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez les salles de cinéma mélangées avec des Potterheads depuis le début, les plus anciens jusqu'aux plus récents, par des échanges et tout, ça peut être qu'énormissime mais j'ai hâte de vivre l'expérience. Donc oui, je pense que je ferai un vlog ce jour-là. J'avais envie de vous faire part de cette information que j'avais vue sur Instagram, donc l'Instagram de je ne sais plus qui, parce que quand j'ai vu Harry Potter revient au cinéma, la publication est partie. Mais quand j'avais vu ça, je me suis dit c'est quoi cette blague. Donc j'ai demandé à Google c'était quoi cette histoire là. Donc j'ai tapé Harry Potter revient au cinéma en 2018 et j'ai vu ça, l'article en disant que voilà, ça serait une version remasterisée par rapport à l'image, le son, blablabla, pour les 20 ans du livre de J.K. Rowling, blablabla. Donc franchement c'est une très bonne nouvelle pour moi. J'irai le voir quoi qu'il arrive. J'espère qu'ils vont un de ces quatre ressortir Harry Potter à l'école des la chambre des secrets plutôt au cinéma, le prisonnier d'Azkaban, la coupe de feu. Comme ça j'aurais vu tous les Harry Potter au cinéma et j'aurais revu certains Harry Potter au cinéma aussi, hein. Voilà, faut pas déconner, hein. Je retournerai voir Harry Potter, l'ordre du Phénix, le prince sans mêlée et les reliques de la mort si ça devait revenir aussi au cinéma. Donc voilà, donc je suis tellement contente que ça se passe, même si j'avais rêvé que ça revenait au cinéma quand j'aurais mes enfants en fait. Et comme ça j'aurais pu leur faire découvrir Harry Potter directement au cinéma. Mais bon, peut-être que ça reviendra peut-être encore d'ici là. Harry Potter, comme vous le savez, c'est quelque chose tellement intemporel, c'est culte. Je pense qu'il y aura d'autres occasions de ressortir les films d'Harry Potter au cinéma, comme là ils font pour les 20 ans des livres. Je vais arrêter là pour la vidéo et je vais conclure ça parce que ça commence à être long. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère que la nouvelle vous aura plu. Moi franchement je suis très très contente encore une fois. N'hésitez pas à marquer en commentaire votre ressenti vis-à-vis de la ressortie d'un Harry Potter au cinéma. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu vers le haut et puis aussi vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux et puis sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et à très vite pour de prochaines vidéos. Bye.